Herzlich willkommen zu den BIFF Talks des 35. Braunschweig International Film Festival. Mein Name ist Clara Hense und ich habe das große Privileg und Vergnügen, hier im Rahmen dieses Festivals Gespräche zu führen mit Filmschaffenden, mit RegisseurInnen, mit SchauspielerInnen und anderen Gästen auf unserem Festival. Die BIFF Talks, das ist ein offenes Gesprächsangebot. Wir möchten in den Austausch kommen über die Filme, die wir hier zeigen auf dem Festival und die Menschen kennenlernen, die hinter den Filmen stehen. Zu Gast bei mir sind heute Sophie Breyer und Christoph Emmers, zusammen mit dem Film La Ruche. Herzlich willkommen, bienvenue. La Ruche, der Titel, was hat das zu bedeuten? Alors, La Ruche, pour moi, c'est le quatrième personnage, le cinquième personnage de ce film, c'est-à-dire c'est cet appartement où de nombreux secrets sont gardés. Le plus important, c'est protéger cette mère. Et donc, du coup, le film La Ruche, c'est l'endroit où vit cette mère, cette reine. Sie haben es gerade schon angesprochen, eine Familie, nicht ganz klassische Familie, eine Mutter mit drei Töchtern. Was ist die besondere Dynamik? Worum geht es in diesem Film? Donc j'avais envie de pouvoir traiter à travers ce film de comment des enfants puissent arriver à porter leurs parents défaillants. Ici, on va traiter dans La Ruche de bipolarité, donc qui pour moi est un sujet important à traiter, de par le fait simplement que j'ai eu une mère qui était bipolaire, et donc du coup, à travers cette histoire, je parle de ma propre relation à ma mère, et donc cette envie était souvent de traiter de cette question un peu psychologique qui est de dire que le corps de l'enfant est fait du bruit des parents. Donc, c'est-à-dire comment nous portons le souci de nos parents et comment nous le transmettons. In dem Film gibt es eine Stelle, da sagt die Mutter zu ihren Kindern, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ihr seid Felsen. Überhaupt, die Dialoge sind sehr stark. Sie haben auch das Drehbuch geschrieben. Können Sie uns da noch was über den Prozess erzählen? Pendant longtemps, j'ai cherché à vouloir raconter l'histoire de ma mère. Et j'ai pendant longtemps essayé d'écrire des scénarios à partir de ça, mais malheureusement, je n'y arrivais pas, à avoir la bonne distance. Et un jour, ma productrice m'a proposé de lire un roman qui s'appelait La Ruche de Arthur Lustalo. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai dû l'arrêter vers la fin parce que je me rendais compte que cette mère allait faire un acte d'amour incroyable pour libérer ses filles. Et alors j'ai voulu très vite rencontrer le romancier avant de lire la fin, simplement pour savoir d'où lui vient cette histoire. Et quand je me suis rendu compte que c'est sa propre histoire qui était racontée dans ce film, dans ce livre, je me suis dit c'était important de pouvoir faire un film de ça, parce que si son histoire personnelle venait rejoindre la mienne, je me disais simplement que ce film pouvait avoir un intérêt pour un public. Dann habe ich eine Frage an die Schauspielerin. Dieser Drehprozess, das stelle ich mir sehr intensiv vor. Wie hat sich diese Familie am Set verhalten? Wie war der Umgang miteinander? En fait, c'est un processus, donc c'est un film qui a pris du temps pour se faire. Et je pense que les relations se sont très vite installées parce qu'on a eu du temps avant le tournage. Donc c'est parce que c'est... En fait, pour créer des relations, il faut qu'il puisse y avoir un temps long qui s'opère. Moi, j'ai rencontré Mara, qui joue Claire dans le film, assez tôt dans le processus, en fait. Et on s'est beaucoup vus à deux. Parfois pour travailler avec Christophe et parfois tout simplement pour passer du temps ensemble, faire la fête ensemble, apprendre à se connaître. Et ça a duré comme ça un an. Et un an après, on a rencontré Ludivine et Bonnie en casting. Et j'ai l'impression que ça a été très formateur comme moment. Parce que par la suite, on a été amené à retravailler 3 semaines avant le tournage, à 4. Et à vivre à travers des improvisations, à vivre les relations de ces personnages et à les créer petit à petit en dehors même du tournage. Der Film La Ruche ist nicht nur im Hauptwettbewerb der Heinrich und Volkswagen Financial Services Award, sondern auch nominiert für den deutsch-französischen Jugendpreis Kinema. Das bedeutet, dass eine junge Jury bestehend aus 3 Personen aus Frankreich und 3 Personen aus Deutschland entscheiden werden, wer den Preis gewinnt.
Wie geht es Ihnen damit, von einem so jungen Publikum bewertet zu werden? Das Publikum ist ja normalerweise ein bisschen älter, was im Kino ist. À côté de mon travail de cinéaste de fiction, je suis aussi réalisateur de documentaires et je travaille énormément sur l'adolescence. C'est-à-dire que je travaille énormément avec un jeune public. Et pour moi, si je fais mon métier, c'est pour justement transmettre quelque chose. C'est pour pouvoir justement travailler sur des thématiques fortes. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est pouvoir déjà ramener un public jeune au cinéma, l'investir, de regarder des films d'auteurs avec des thématiques importantes, parce que je pense qu'ici, La Ruche est un film qui n'est pas une comédie, justement, qui est un drame social qui se joue, même s'il y a des moments plus légers dans le film. Mais pour moi, justement, montrer des films à un public jeune, c'est là où je retrouve toute l'essence de mon métier. Heute Abend, Ihr Film La Ruche ist der erste, den wir zeigen auf diesem Festival am zweiten Festivaltag. Es wird ein Q&A geben. Worauf freuen Sie sich als Schauspielerin zum Beispiel? Déjà, on est très content d'être ici. Enfin, moi, je suis très content d'être ici. Rien que déjà de pouvoir partager le film avec l'année qu'on vient d'avoir où on était quand même coupé du cinéma. Donc, et en termes vraiment de réception, je pense que les films, on ne peut jamais vraiment savoir ce qu'ils vont provoquer et quel écho ils vont avoir avec l'intimité de chacun. Et les identifications qu'on peut avoir. Mais tout simplement, peut-être qu'il puisse y avoir justement différentes réceptions, que les personnes puissent être touchées ou qu'il y ait même des désaccords avec le film. J'ai l'impression que c'est un film assez ouvert à l'arrivée et on peut s'identifier à beaucoup de personnages différents dans le film. Donc, si déjà plusieurs personnes sont touchées par un des personnages ou par l'ensemble des personnages, moi je serais contente. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß hier auf dem Braunschweig International Film Festival. Wir sind gespannt auf La Ruche. Viel Erfolg bei den Wettbewerben und merci beaucoup. Merci beaucoup. Dankeschön. Dankeschön.